Alors avant de commencer cette balade, donc la dernière fois j'ai sorti une vidéo prise de parole, ça va être la version numéro 2. Ce que je voudrais aborder déjà, c'est vraiment le fait de remercier les premiers 500 abonnés. C'est pas une grande nouveauté de remercier ses abonnés, je trouve ça totalement normal. Le fait que je pensais pas déjà en arriver là, et surtout avec le type de contenu que j'ai. En effet, j'ai pas de contenu à sensation, c'est de la balade, c'est du paysage. Donc effectivement, ça risquerait pas d'intéresser un grand nombre de personnes. Pas de wheeling, pas trop d'excès de vitesse, ça empresse entre moi et la moto. Et donc voilà, en fait, je voulais vraiment remercier de me suivre. Je voulais faire un remerciement tout particulier aux personnes qui regardent mes vidéos, qui mettent un petit pouce bleu, qui fassent un commentaire. J'apprécie. Donc pour l'instant, effectivement, je prends vraiment l'habitude de répondre à tous vos commentaires. Donc voilà. Allez, chose n'est pas coutume, petite anecdote. Pour ça peut servir à certains. Ça m'est arrivé il y a un petit moment. Donc j'ai un bloc disque. Je pense qu'en disant ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà compris où était la finalité de l'histoire. Donc je suis parti faire des courses. Je gare la moto sur le parking. Je fais mes courses, je reviens à la moto. Et là, je m'installe. Je commence à démarrer. Pied droit sur le frein, on tape la première et on commence à démarrer. Et là, blocage de roue, et tu tombes par terre comme une merde. Pourquoi? Parce que tu as oublié d'enlever ce foutu bloc disque. Donc, pas trop de bobos pour la tresseur. Il y a eu plus de mal au niveau du moral qu'au niveau de la moto. Il a fallu quand même que je change mon pare-main droit parce que c'est lui qui avait quand même un petit peu souffert. Le top bloc, il a fait le job. Une toute petite égratignure au niveau du guidon. Mais bon, pas trop de mal. Alors j'invite à tous ceux qui ont des blocs disques qui peuvent potentiellement, comme moi, omettre d'enlever ce foutu bloc disque. Et d'acheter le petit cornon qui va du bloc disque qu'on vient accrocher à un levier de frein. Ça porte bien son nom, c'est oubli bloc disque. À 3,50€, l'investissement est quand même bien rentable. Donc voilà, c'était ma première chute et une chute à la con. Mais bon, l'investissement de 3,50€ a été fait pour éviter ça ne se reproduise. Bon, on verra si ça sert à certains d'entre vous. Mais pensez-y. Alors, je peux vous dire une chose. On sky les miches. Pourtant, je suis bien habillé. -5°. Ça faisait longtemps que j'avais pas roulé, ça fait vraiment du bien. Enfin si, je la prends tous les jours, mais bon. 7 km aller, 7 km retour, bravo, c'est comme si tu faisais rien. Ah oui, petite chose, petite précision au niveau de mes balades. Quand je pars comme ça, donc je prévois toujours un roadbook, je sais à peu près où je vais, je sais à peu près ce que je vais voir. Enfin, je le sais sur Google Maps. Après, savoir si c'est joli, si c'est bien, si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, c'est de la pure découverte. Comme là, je vais vous emmener voir 2-3 petites choses. Je vous en dis pas plus parce que vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, c'est aussi une découverte. Donc là, vous allez découvrir les choses, on va dire que je les découvre en même temps que vous. Donc même s'il y a des endroits que je connais, j'essaie toujours de prendre des routes un peu différentes. Parce qu'en fait, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber.
c'est toujours une petite découverte. Et on peut être agréablement surpris par un petit point de décor à un endroit donné. Allez, je profite de ces dernières minutes avant d'entamer réellement ma balade. On est quand même au mois de décembre, on arrive à la fin de l'année. Donc ben, je vais en profiter pour vous souhaiter à tous, à vous qui me suivez, de joyeuses fêtes. Bon Noël. Profitez bien, profitez de vos familles. Mangez bien, buvez bien. Et surtout, faites attention sur la route, que ce soit en moto ou en voiture. Alors, je vous dis à tous, à joyeux Noël. Et je vais essayer d'ici là de vous souhaiter la bonne année, mais ça, on verra plus tard. Allez tous!